Depuis lundi, la plage prend ses quartiers autour de la piscine Jacques Moncaut à Trappes pour la 7e édition. Cette opération qui propose du beach volley, des activités aquatiques ou encore des châteaux de sable pour se sentir en vacances sans bouger, compte déjà beaucoup d'adeptes. On profite du soleil et on fait des châteaux de sable. Les enfants, c'est qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller en vacances. Ben, ils sont à peu près comme à la plage. Et puis les parents en discutent entre nous. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est une chance pour ceux qui ne sont pas allés en vacances. Les enfants en profitent, ils retrouvent leurs camarades de classe, ça fait pas très longtemps que ça a arrêté. Les petits sont avec nous, les plus grands au club ado, et les plus grands, 16 ans, ils sont dans l'eau et nous on est tranquilles. On peut discuter avec les copines. On n'a pas eu l'occasion d'aller plus loin que Paris, donc on en profite à Trappes, plage de Trappes. 800 tonnes de sable ont été déplacées pour l'occasion afin de pouvoir profiter de la plage sur son transat installé confortablement sous un parasol. Il sera possible de bronzer à Trappes plage cet été jusqu'au 8 août.